الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله. أما بعد، رمضان الكريم لموع المبارك ورمضان ستموع عبادة ستموع رحمة أمور دركي ما سبديم فاعتكاف عليم سوس ومم أمور الروح الاسبري الام أمور au cours duquel le mu'min cherche à exceller, à aller vers le meilleur de lui-même afin de gagner de la part de Rabbul Alameen sa rahma, son pardon et de gagner de la part de Rabbul Alameen d'affranchir le mu'min définitivement du châtiment de l'enfer afin de gagner Al-Jannah, afin de gagner la victoire sur soi-même. Le mois de Ramadan al-Mubarak, c'est aussi un mois qui nous ramène à la mémoire des hommes et des dames qui avaient été autour de Nabi alayhi salatu wa salam des piliers de la da'wah, des piliers de la transmission aux côtés de Nabi alayhi salatu wa salam. Ils le soutenaient aux côtés de Nabi alayhi salatu wa salam. Ils étaient sincères et excellents. Et cela nous donne l'exemple. Ramadan al-Karim, comme c'est la mémoire nous rappelant à Sayyida Umm al-Mu'minin Khadija radiallahu ta'ala anha, Ramadan al-Karim, c'est aussi la mémoire qui nous rappelle la bataille de Badr al-Kubra, qui était le 17 Ramadan. Ça nous rappelle la conquête de Mecca al-Mukarrama, l'année 8 de l'Hijr, lorsque le Nabi alayhi salatu wa salam y arrive conquérant, gagnant, et la cité sainte de Mecca al-Mukarrama, elle se retrouve soumise à l'Iman, soumise à le Nabi alayhi salatu wa salam. Et tout ça, c'était pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan al-Mubarak, c'était aussi d'autres occasions et parmi lesquelles l'occasion qui nous ramène à la mémoire aussi Sayyiduna Ali karramallahu ta'ala wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha. Voilà des personnes, voilà des hommes et des dames qui étaient autour de Nabi alayhi salatu wa salam et qui avait marqué l'histoire des musulmans à tout jamais, parce que c'était des hommes et des dames avec la sincérité excellente, avec le amal excellent, avec le ilm, la connaissance du din, avec excellence, et tout cela pour nous donner à nous la leçon, pour nous dire voilà, Ramadan al-Mubarak, c'est aussi la mémoire, pas seulement c'est l'occasion de votre amal. Rappelez-vous aussi ceux qui étaient excellents et parfaits dans leur amal. Et alors aujourd'hui, nous parlons particulièrement de Sayyiduna Ali, karramallahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sayyiduna Ali, radiyallahu ta'ala anhu, était l'enfant presque de Nabi alayhi salatu wa salam. Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, même s'il était le fils de Abu Talib, mais il a été élevé dans la maison de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque à un moment donné, il avait remarqué que son oncle Abu Talib avait beaucoup de charges, il a demandé à ce que il prenne auprès de lui l'enfant de son oncle, qui était encore très jeune. Car Sayyiduna Ali, radiallahu ta'ala, il est né 10 ans
avant la révélation à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le jour de la révélation, le jour où Al-Nabi alayhi salatu wa sallam, il a reçu la première fois la révélation quand il était à la grotte Hira, Sayyidun Ali radiallahu ta'ala, il devait avoir 10 ans à peu près. Et à cette date, Sayyidun Ali radiallahu ta'ala était parmi les premières personnes à entendre Al-Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il vient de rencontrer Jibril alayhi salam. Et que Jibril alayhi salam lui a annoncé qu'il était Nabi et Rasoul. Et que Jibril alayhi salam lui a annoncé les premiers versets du Coran al-Karim « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est reparti de la grotte de Hira, quand il est redescendu à Makkah al-Mukarrama, là où il est parti en premier lieu, c'était sa maison, auprès de son épouse, Sayyida Khadija radiallahu ta'ala anha. Et c'est là qu'il a parlé la première fois de ce qui lui est arrivé avec Jibril alayhi salam et à Sayyida Khadija radiallahu ta'ala anha. Aussitôt, elle lui a dit, certainement, mais c'est absolument sûr, c'est un farishta, c'est un ange qui est venu te voir. Ça ne peut être qu'un ange, ça ne peut pas être un shaitan, ça ne peut pas être un djinn. Et aussitôt, elle a dit la kalima, elle a dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle était la première personne, et Sayyidun Ali, il entend. Sayyidun Ali, lui aussi, il dit la kalima. Comme il le dit Sayyiduna Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumah, c'était le premier à se convertir après Sayyida Khadija radiallahu ta'ala. Voilà qui est Sayyidun Ali. Sayyidun Ali radiallahu ta'ala, pas parce qu'il est né dans l'islam comme certains, comme ses propres enfants, Sayyidun al-Hassan, Sayyidun al-Hussein ou Abdullah ibn Zubayr, ils sont nés enfants du Sahaba. Donc forcément, dès la naissance, ils sont élevés dans l'adil. Jamais ils ont fait kufr. Jamais ils ont eu l'occasion d'aller avec les mouchriquins adorer des statues. Ils étaient déjà élevés à la naissance même dans la foi de l'adil, dans l'islam. Mais Sayyidun Ali, radiallahu ta'ala, lui, il est le fils de Abu Talib. Il n'est pas né d'un père qui lui avait donné les enseignements de l'islam. Mais Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était la chance et le privilège de Sayyiduna Ali et de ce fait, jamais il a été avec les mouchriquins pour croire de la même manière que les autres mouchriquins. Car avec Al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait qu'être couvé par l'Iman, par la reconnaissance de l'unicité de Rabbul Alameen et par les meilleurs caractères en plus. Sayyidun Ali radiallahu ta'ala, il était donc de Banu Hashim, cousin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de cette famille, la famille la plus notable de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les mu'minin des hommes. من المؤمنين رجال. Il est parmi les mu'minin. Il est des hommes. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Ils ont été sincères, véridiques, avec leur engagement envers Allah Azza wa Jalla. Ils ont donné l'engagement à Allah Azza wa Jal d'être fidèles à 100%. Ils l'ont été. Sada, ils ont été sincères dans leur engagement. Ma'ahadullah alayhi. Ils ont été sincères et ils sont allés jusqu'au bout. Ça veut dire jamais ils ont changé. Jusqu'au bout, jusqu'au terme de leur vie, jusqu'à leur ajal, ils avaient été sincères et véridiques dans leur engagement. Qu'ils ne changent pas, effectivement ils n'ont pas changé. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. Une partie d'entre eux, ça y est, ils ont connu le terme de leur vie. Ils sont arrivés au terme de leur vie avec la sincérité. ومنهم من ينتظر. D'autres attendent le terme de leur vie. وما بدلوا تبديلا. Et ils n'ont nullement changé. Ils ont
étaient fidèles jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle de leur vie, ils avaient été fidèles. Et à la tête de ceux-là, il y a ceux qui avaient été fidèles avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, autour de lui. Et dès les premiers jours, les premières heures, les premières minutes, quand ils ont donné leur engagement, ils avaient été sincères. Et Allah Ta'ala voit leur cœur. Allah Ta'ala purifie leurs âmes. Et effectivement, voilà les meilleurs de la Ummah et les meilleurs de tous les hommes, pas seulement de notre Ummah, de toutes les Ummah d'une manière absolue. Meilleurs même que la majorité des Farishtas. On ne dit pas que Sayyidina Ali est meilleur que Jibril alayhi salam, par exemple, mais après les plus importants parmi les Farishtas, après Jibril, Mikaïl, Israfil, il y a les grands Sahaba kiram qui étaient autour de Nabi alayhi salat wa salam, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Abu Ubaida et le reste des Ashara Mubashara. Ceux-là sont comptés dans l'aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a meilleurs que la majorité des Farishtas, même des anges. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, lorsque un homme comme moi vient pour parler de lui, c'est un peu comme si je lève la tête et je regarde vers le ciel et j'arrive pas à voir le tout sur les caractères et les mérites de cet homme qui est tellement haut, qui est tellement important, qui est tellement grand. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, c'est comme lorsque quelqu'un vient pour décrire le soleil, il ne peut décrire que quelque chose de ce qu'il ressent lui-même et il ne peut absolument pas aller jusqu'au bout de la description. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, choisi par al-Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam comme son frère. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a choisi comme son gendre. Et ça c'est par ordre d'Allah azza wa jal. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala était de al-Nabi et al-Nabi alayhi salatu wassalam était de lui. Un jour, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhumah. Et ça c'était après la wafat de Sayyidina Ali. Sayyidina Ali était déjà intiqal. Il y a 9 hommes qui sont venus discuter, parler avec Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhumah, lui aussi cousin de Nabi alayhi salatu wassalam. Et Sayyidina Abdullah ibn Abbas, c'est le hadr de cette umma. Le plus grand alim de cette umma après les grands sahaba kiram. Il était jeune parmi les sahaba et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'appelait al-Bahr, l'océan, tellement il était alim. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhumah, très connu, grande référence, 9 hommes sont venus lui parler et lui ont dit on veut te parler seul à seul. Il se lève, il va parler avec eux. Il retourne et il est en train de dire ouf, qu'est-ce que ces gens-là? Ils ont été capables de critiquer un homme qui a entre autres le privilège 10, qui sont les meilleurs des privilèges qu'on puisse avoir. Ils ont osé critiquer Ali radiallahu anhu. Et comment ils peuvent le critiquer avec, s'il n'avait que ces 10 privilèges, s'il n'avait que ces 10 honneurs, personne ne peut arriver à son statut, à moins que ce soit parmi les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Sayyidina Ibn Abbas radiallahu ta'ala? Il a dit, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé d'envoyer un commandant à l'armée des musulmans pour la conquête de Khaybar. Khaybar, 40 villages fortifiés où il y avait les juifs, un peu plus de 100 km au nord de Médine. La première fois, il envoie Sayyidina Abu Bakr, ça n'a pas donné la victoire. Le lendemain, il a envoyé Sayyidina Omar à la tête de l'armée, ça n'a pas donné la victoire. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, devant tout le monde, il dit, je vais envoyer demain, je vais donner l'étendard demain à quelqu'un qui aime Allah et qui aime son Rasoul et que Allah subhanahu wa ta'ala n'humiliera jamais.
سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدي كرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول سيد سيدة فرول دماج دندري لتندار ألم كيام الله كيام رسول الله إكو الله تعالى الجميل من نرى إلى دي لتد لدول صحابة سلوفي chacun avait envie que ce soit lui et c'est normal chacun espérait gagner ce grand privilège Il regarde le Nabi عليه الصلاة والسلام. Il dit, il regarde, il ne trouve pas la personne qu'il voulait. Il dit, mais il est où Ali? Il cherchait Sayyidina Ali. Ils lui ont dit, mais il est malade. Allez le voir. Et Sayyidina Ali était en train de moudre les grains secs pour son épouse et pour sa famille. Sayyidina Ali était occupé, la charge. Et puis après, il était malade, il était souffrant, il avait beaucoup de problèmes aux yeux, conjonctivite, comme on dit, il n'arrivait même pas à voir. Il leur a dit, cherchez-le quand même. Occupé, pas occupé, cherchez-le quand même. Malade, souffrant, cherchez-le quand même. Il arrive même pas à voir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prend de sa salive Moubarak et il met dans les yeux de Sayyidina Ali et sur le champ, il était guéri. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم attrape l'étendard du commandant-chef de l'armée et il le secoue trois fois dans sa main et il lui dit attrape Pierre-Ali et va combattre et Allah Ta'ala te donnera la victoire et effectivement سيدنا Ali radiallahu ta'ala il a eu la victoire et alors voilà un privilège رسول الله صلى الله عليه وسلم lorsque Il a décidé de quitter Makkah pour aller à Medina. Il a fait Hijra. Parce qu'il a décidé de partir de Makkah à Medina, les kafirines de Quraysh, ils avaient comploté, ils avaient décidé de se rassembler devant la porte de Nabi alayhi salatu wassalam, d'attendre qu'il sorte, et ils voulaient l'attaquer tous en même temps. L'assassiner, mais tous en même temps. Parce que il y avait un problème. Si un homme parmi les Quraysh assassine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Hashim, la famille de Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, allait demander vengeance. Et il pouvait y avoir guerre tribale. Deux, c'est la même chose. Les Banu Hashim sont très forts, sont très nombreux. Alors ils ont décidé qu'ils mettent de chaque tribu, de chaque clan, de chaque famille, un guerrier. Et que tous frappent. Comme ça, les Banu Hashim, ils vont dire, on ne peut pas faire la guerre à tout le monde. Ils vont accepter d'être payés, qui reçoivent le prix du sang, la dire, et il n'y aura pas de guerre. Ils étaient donc nombreux, tous armés, et ils attendent le Nabi alayhi salatu wassalam. Ce jour-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est sorti quand même. Ils étaient là debout, et il a récité Sourah Yassin, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Nous les avons voilés et ainsi ils ne peuvent même pas guetter, même pas voir, et ils se sont endormis. Il a pris du sable et il l'a jeté sur eux, et ils étaient là en train d'attendre, comme des idiots, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était parti. Mais Nabi Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Sayyidina Ali radiallahu ta'ala de rester à sa place, de dormir à sa place, de se couvrir avec la couette et la cape de Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les mouchriquins regardent, ils vont voir comme si un Nabi alayhi salatu wassalam est toujours là. Comme ça, un Nabi alayhi salatu wassalam a l'occasion de partir, d'être loin, et loin de leur complot. Mais qui c'est qui est en train de se sacrifier? Qui est en train de risquer sa vie? Malgré tout, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala. Ce jour-là, quand ils se sont réveillés le matin, eux, après le lever du soleil, Quelqu'un est venu les secouer et leur dire qu'il est déjà parti. Et il a mis sur votre tête chacun de la terre, de la poussière. Ils ont regardé par la fenêtre et ils ont vu comme si un Nabi alayhi salatu wassalam est toujours là. Un homme toujours allongé. Et il est toujours couvert. Alors ils ont commencé à lui lancer des cailloux, roches. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala pour ne pas leur montrer que c'est Ali, il a couvert sa tête. Comme ça, ils ne le voient pas.
il frappe, il lance les roches, essaye de la rallier, il commence à avoir mal, alors il souffre. Et eux, ils étaient intrigués. Ils ont dit, mais si c'était Muhammad, il ne crierait même pas. Ils avaient déjà essayé avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne crie pas. Il ne crie pas souffrance. Il ne crie pas sa douleur. Mais celui qui est en train de recevoir le coup de roche, il est en train de crier. Ça a duré un certain temps. Sayyidina Ali, il a vu venir Sayyidina Abu Bakr. Et Sayyidina Abu Bakr, lui aussi, il ne savait pas où est-ce qu'il était, le Nabi alayhi salatu wassalam, à ce moment-là. Et c'est là qu'il s'est montré Sayyidina Ali. Ils ont dit, mais tu es Ali alors? Il est où? Il est parti où? Il n'a pas voulu dire où est-ce qu'il est parti, Al-Nabi alayhi salatu wassalam. Voilà quelqu'un qui était les premières heures de la da'wa. Il était celui qui se donne comme sacrifice pour Al-Nabi alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était la bataille de Tabouk, la bataille de Tabouk, c'était la 9e année de l'Égypte. Ça veut dire Mecca était déjà conquise. Parce que la conquête, c'était l'année 8. De retour de la bataille de Tabouk, Allah subhanahu wa ta'ala envoie à Nabi alayhi salatu salam la surat Tawba, surat Bara'a. Alors, c'était l'occasion de Hajj. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a pensé à aller faire Hajj lui-même. Et puis après, il a dit, les mouchriquines parmi les Arabes, ils ont l'habitude de venir faire Tawaf autour de la Kaaba, tout nu. C'était leurs habitudes. Parce que les kafirs de Quraysh, ils étaient tellement mesquins et menteurs. Ils disaient aux Arabes, soit vous allez vous habiller avec les habits qu'on vous donne nous, soit vous allez faire Tawaf tout nu. Hommes et femmes, pareil. Ça, c'était les habitudes des mouchriquines. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'aimerais pas aller faire Hajj et à côté de moi, il y a des hommes et des dames tout nus. Alors il a décidé d'envoyer Sayyidina Abu Bakr, que ce soit lui qui dirige le convoi des hadiths. Et puis après, il lui a dit, comme il a reçu Surah Al-Tawba, et dans Surah Al-Tawba, il y a annonce contre les mouchriquines, et il lui dit, voilà, tu as ordre, quand tu arrives dans toutes les étapes, quand il y a du monde devant toi, tu récites devant tout le monde Surah Al-Tawba. Et puis après, Jibril alayhi salam, il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit à Rasulullah, personne n'a le droit de transmettre de toi, à moins que ce soit toi-même personnellement, ou quelqu'un qui est de toi et tu es de lui. Alors envoie Ali. Ordre de Rabbul Alamin. Pas Sayyidina Abu Bakr. Et pourtant Sayyidina Abu Bakr, c'est Sayyidina Abu Bakr. Mais pas lui. Alors, il dépêche Sayyidina Ali radiallahu ta'ala. Il lui dit, vas-y, tu prends le message de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et c'est toi-même qui le fait, qui se charge de la transmission de Sourate At-Tawbah. Sayyidina Abu Bakr lui-même, à un moment donné, il était gêné. Comment se fait-il? Pourquoi il y a eu une condamnation de Rabbul Alamin contre lui? Il va voir Al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et Rasulullah lui dit non, c'est Jibril qui a donné ordre. Et il m'a dit, personne ne peut transmettre de toi, ya Rasulallah, à moins que ce soit toi-même de ta propre bouche, ou un homme qui est de toi et tu es de lui. Illa rajul huwa mink wa anta mink. Lui, il est de toi et toi, tu es de lui. Et là, c'est qui? Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, avant cette histoire aussi, un autre privilège, lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam, il voulait partir faire la guerre à Tabouk. Parce qu'il voulait faire la guerre à Tabouk. Il a demandé à tout le monde de venir. Lorsque tout le monde s'apprête à venir, sauf quelques-uns qui n'ont pas voulu, mais c'était rare. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, Rasulullah lui dit, quoi tu restes? Comment tu restes? Sayyidina Ali est un homme brave. C'est un homme guerrier, c'est un homme qui aime la guerre, c'est un homme qui
deuxième et qui est passionnément dans tout ce qui est jihad fi sabilillah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, te laisse. Les munafiqines, ils ont dit, ils ne le supportent pas, c'est pourquoi ils le laissent. Alors il rejoint le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il pleure pour rester avec lui et qu'il aille dans la bataille contre les Byzantins à Tabouk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu es inquiet, ya Ali? N'es-tu pas satisfait, ya Ali? أن تكون مني كمنزلة هارون من موسى. Mais tu n'es pas content, ya Ali, que tu sois pour moi comme Haroun était par rapport à Moussa. À la différence qu'après moi il n'y a pas de Nabi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne ça, et ça c'était un privilège qu'il n'a donné à personne d'autre. Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, من كنت مولاه فعلي مولاه. Celui pour qui je suis al-mawla et l'allié, eh bien son mawla et son allié c'est Ali. Allahumma wali mawala wa aadi man aada. Ya Allah, soutiens ceux qui nous soutiennent et sois ennemi contre ceux qui sont ses ennemis. Ça c'est Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala. Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala, c'est lui le mari de Sayyida Fatima al-Zahra. C'est lui le papa de Sayyidun al-Hassan et de Sayyidun al-Hussein. Cela qui avait été seul avec le Nabi alayhi salatu wasalam sous la cape lorsqu'il a demandé à Rabbul Alamin, Allahumma ya Allah, voilà Ahlu Bayt, voilà les gens de ma maison, wa khassati, voilà mes intimes ya Allah. Allahumma fa'adhib anhum al-rijs wa tahirhum tatihira, purifie les nettement ya Rabbi, wa tahirhum. Élimine de toute souillure. C'est quoi la souillure? Ça veut dire, ne permet pas, ya Rabb al-Alamin, que quelqu'un parmi la descendance, celle-là, Moubaraka, qu'il meure mouchrik. Ne permet pas qu'il y ait souillure de shirk. Ça veut dire, quelqu'un qui est descendant de Sayyida Fatima, ça veut dire, descendant de Sayyidina al-Hassan et de Sayyidina al-Hussein, il meure bakafir. Éliminer la souillure, c'est éliminer le shirk. النبي عليه الصلاة والسلام سلمان كيا دي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه son frère. Lorsqu'il était à Mecca al-Mukarrama, il y a les Banu Hashim tout autour de lui. Il leur dit, qui vient me soutenir et ça sera mon frère dans dunya et akhira. Les Banu Hashim à cette date n'étaient pas des musulmans. سيدنا علي tout jeune, il lui dit, c'est moi ya رسول الله. Rasulullah, il voulait leur parler, les adultes, et repose la question, qui vient me soutenir et il sera mon frère dans la dunya et dans l'akhira. Personne ne parle, que Sayyiduna Ali. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu y es mon frère dans la dunya et dans l'akhira. Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala, lorsque il parle de lui-même, il dit, et ça c'est dans Muslim Sharif, il dit, والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. Je le jure par celui qui a fendu, qui a coupé le grain pour que la plante pousse. وبرأ النسمة et qui a donné vie à l'âme. إنه العهد النبي الأمي إلي. C'est l'engagement du Nabi al-Ummi envers moi. Allah يحبني إلا مؤمن. Ne m'aimera qu'un مؤمن. ولا يبغضني إلا منافق إن مدتسترا كان منافق. اللهم ارض عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. اللهم ارض عن سيدنا علي المرتضى. الله